Oh, mais qu'est-ce que vous faites? Je dois te dire un truc, Dis-moi, Putain, la merde, fils de pute, c'est pas conduire, yo. Ouais, juste, sois prudent pour ton ami, ok? Vas-y, je suis prudent, vas-y, mon pote, vas-y. Alors lui. Mais wesh! Oh, are you okay? Mais... Fuck me. Mais tu te fous de ma gueule! Mais... What the hell? Ça t'a... Oh, arrête Christ. De... Mais... Wow. Mais tu te fous de ma gueule ou quoi, là? Arrête, là! Mais... Fuck me. Mais elle me troll, celle-là! Vas-y, la sors, là, putain! Qu'il a vu. Bonsoir monsieur. Oula monsieur. Voilà, attendez monsieur, voyons. Arrêtez de me tousser dessus monsieur. Monsieur, vous êtes sûr que vous allez bien? Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. C'est bon, ça va mieux. C'est bon, monsieur, vous allez bien. Ça va mieux. Ouais. Désolé. J'ai une rhinomaryngite, c'est pour ça, et du coup, là, ça... Vous voulez peut-être que je vous dépose à l'hôpital? Non, c'est juste que... Non, ils vont m'entendre tousser, l'infirmière, elle va me dire... Ah, bâtard, tu fumes! Et vous fumez, donc? Non, laissez tomber, c'est une référence. Monsieur le juge, j'aimerais donner la parole à Srod et ensuite si oh je merde, peux je savais pas comment la défendre. Reprendre, pour favor. Monsieur Srod est demandé là-bas. Bonjour, je suis témoin. Monsieur Srod, jurez-vous de parler sans haine et sans crainte de dire toute la vérité, rien que la vérité? Pardon. Monsieur Srod. Oui, du coup, la vérité en balle. Alors, monsieur Cario, c'est un homme respectable et respectueux. Vous savez, dans la vie, chaque homme fait des conneries. Mais il est très droit. Beaucoup de choses qu'on lui attribue sont fausses. Je vous le dis. C'est quelqu'un de vraiment très droit. Il s'occupe des jeunes, des pauvres. Il a fait des dons pour mon association de pauvres. Bon, c'est vrai, des fois, il donne de la cocaïne, de la drogue, il a des armes. Mais qui ne fait pas ça de nos jours? Tout le monde a besoin d'un peu d'argent, hein, Cario? T'aimes bien la drogue? Mais c'est rien, on s'en fout. Il aide tout le monde. Vous êtes un peu dur avec lui, il se retrouve souvent dans des bourbiers, mais c'est pas vraiment de sa faute. Oui, c'est vrai, il aime tirer sur des gens, tuer des gens, et prendre de la drogue. Quoi? Qui n'aime pas faire ça? Mais non, mais ça c'est normal. Ah. Eh oui. Sale fils de pute. Mais quoi? Mais non, mais c'est quelqu'un de bien. Il est pas bien, il a pas l'habitude d'être comme ça. Et oubliez pas qu'il a une femme et des enfants, il faut prendre ça en compte. En plus, il est gentil parce que... Mais sa femme, il la partage aussi, il la partage à tout le monde, sa femme, il est vraiment généreux ce type-là. Wow, c'est une pute. Ben oui, et sa mère aussi, il partage les femmes de sa famille, il les partage avec tout le monde. Sa mère, je l'ai détruite, Cario, je l'ai détruite, je vous le dis. J'ai détruit sa mère pour les pauvres. Il a détruit ma mère. Il a vu que j'étais pauvre, il m'a donné sa mère et je l'ai détruit. Vraiment, ce jeune homme-là a peut-être un mauvais tempérament, mais il a un grand cœur. Faites-moi confiance, j'ai l'œil pour ce genre de choses. Monsieur le juge, vous avez un très beau col roulé. Je sais que vous avez un grand cœur aussi. Et je compte sur vous pour ne pas être trop dur. Voilà, merci à tous. Non. Ah bâtard, tu fumes? Pardon. Quoi? Pardon, désolé, j'ai des spasmes. Des fois, ça m'arrive comme ça. Non, chicha! Pardon, désolé. Des fois, j'ai des spasmes. Ça m'arrive d'un coup. Oh putain. 30 euros le t-shirt, pardon, désolé, oh putain, oh sa mère.
Ah ouais, viens, viens. Ah, t'étais là. Ouais, il fait une sieste, l'employé. Je crois qu'il fait une sieste. Vas-y. Ça va, monsieur? Ça va bien, vous? T'es un infiltré, toi, je te reconnais. De quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais sans faire exprès, je suis ressorti de la maison, qu'est-ce que tu fais? Viens, viens, t'inquiète. C'est un infiltré. La souris, je suis en train de serrer, je suis en train de péter mon crâne là. Eh, viens, on fait un jeu. Ouais, je sais que c'est pour dire oui que tu veux faire. Tu veux du gouda, c'est ça? Tu veux de l'emmental? Je vais t'en ramener plein de fromage. Mais pour ça, on doit faire un petit jeu, d'accord? Ok. Regarde, tu vois, dans ma poche, j'ai un bloc d'emmental. Il faut que tu montes à l'étage et que t'ailles chercher les clés dans la poche de tonton Michel, il est en train de dormir, ok? Nique ta mère, on est dans Ratatouille. Ok, au carton, je prends les bijoux. Go, mettez des cartons non, au fond là-bas là. Les cartons, c'est pas possible. Dans la rue, c'est cartons. Pas possible. Non, ça marche pas, ça fait sauter de porte. Y'a un mec qui se paraît que notre pute. Il a tout enculé ce fils de pute. Sa mère. Yo. Ah, excuse-moi, ça va? T'es timide de revenir. Tu me braques, mais est-ce que je peux laisse braquer? Laisse-le, monte. Strut, c'est comme ça qu'on s'impose par ici. Descends de la moto, fils de pute. Va à l'unicorne, y'a du travail, toi, casse-toi. Oh, ni... Agathe la peur, elle veut me faire la vie de ma mère. Je suis pas